Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Shadow of the Tomb Raider. Donc la dernière fois, si je ne me trompe pas, parce que du coup, alors oui, pour vous expliquer, je rattaque les vidéos parce que j'ai eu un souci de PC pendant un petit moment. J'ai perdu, alors d'ailleurs, il y a un épisode, il me semble, qui a été perdu. De Shadow of the Tomb Raider, donc du coup je sais plus si le précédent c'était le bon ou pas. Du coup on en était là, on était dans cette grotte où il fallait qu'on résolve une énigme sur ce bateau. Il y avait des espèces de manivelles là, comme on voit juste en dessous, qui font tourner des choses, mais ça fonctionnait pas. Là, j'étais... Oula. Ouh. J'en étais ici, je savais pas trop où aller. Du coup, on va essayer de trouver cette énigme, la réponse à cette énigme. Ah tiens, je peux aller en face là-bas. Ah oui, ça y est, je me souviens de ça. Hop là. Ok. Là, on pouvait aller là. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. J'étais plein, voilà, ça je me souviens aussi. Ok, ici je pouvais retourner là-bas. Ok, faut que je me rappelle un peu du truc. Donc là, faut que je descende en rappel. Ok, je crois pas que j'étais venu là. Ça me dit rien, ça. Ça ne me dit rien d'être venu jusque là. Alors, est-ce que je peux monter là? Non. Là, il y a un truc, je sais pas ce qu'il faut faire. Là, il y a le canon. Ah, tiens. Est-ce que là, je ne pourrais pas faire quelque chose comme ça? Non, absolument pas. Tiens, là il y a un truc aussi. Ah mais c'est sûrement pour quand on sera en haut redescendre là-bas. Ok. Là en bas on y est déjà allé. On est déjà allé là en bas. Ouais ouais, je crois bien. Est-ce que de là je pourrais pas aller? Est-ce que de là je pourrais pas aller là-bas? Bonne question ça. Je ne sais pas. J'ai peur de redescendre parce qu'après je crois qu'il faut que je refasse tout le tour pour revenir là-bas. En même temps ici. Par aller là, je vois pas où c'est que je pourrais aller. Bon, bah on va descendre, on verra bien. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu de descendre. Là, y a pas quelque chose que je peux pas monter là sur le filet ou je sais pas quoi. Non. Je ne sais pas. Bon, on va essayer de descendre. Hop. Ah, tiens. Aïe. Ça pique. Donc c'était sûrement pas ça. Ok. Ok, là on peut pas y aller. Ouais, cette zone, je m'en souviens un peu. Ouais, je suis revenu au début là. Merde. Je peux pas monter genre là sur les caisses et remonter en haut. Ou ici là, tiens. Voilà. Bon, ça va. Ça, je crois que c'est bloqué. Ah non, c'est pas bloqué. Bah voilà. Ah!
préfère aller plus loin. Et ça reste pas en place. Merde. Ok, donc il faut faire en sorte que ça reste là-bas. Je peux pas pousser cette caisse ou je sais pas quoi. Je peux monter sur cette caisse, en tout cas il y a des traces blanches là. Non, je peux pas monter là-dessus. Là, c'est bizarre qu'on puisse aller là aussi. Voilà. Tiens, là il y a un truc. Je peux pas le tirer, ça? Non, ça fait rien. Ça, je peux rien en faire. Là, je peux pas aller là-bas des fois. Absolument pas. Absolument pas du tout. Bon. Ok, donc là je rattaque ici. Donc là je suis en face de là. Y'a pas un truc à faire, là il y a une chaîne. Ah ça on l'avait fait sauter, je m'en souviens. Ce truc là. Ça avait les libérer. Je sais plus quoi, mais en même temps, si ça, ça tourne de l'autre côté, qu'est-ce que ça m'aide à faire? Pas grand-chose. Idéalement, c'est l'autre là-bas qu'il faut que je tourne. Là, ça me sert à rien, ça. Tiens, je dois pouvoir retourner en face d'ici, peut-être. Parce que là... Oh là là, je sais pas. Je suis perdu dans cette énigme. Je sais pas quoi faire là, je peux monter là aussi, mais c'est pareil, je sais pas quoi ça sert. Ça, je m'en souviens. Il y a forcément quelque chose à faire là-haut. Hein. Sinon, je pourrais pas monter. C'est bizarre. C'est bizarre qu'on puisse monter là-haut et qu'il n'y ait rien à faire. Je dois orienter la baume. La baume. Ah! J'avais oublié, tiens, ça qu'on pouvait faire. Ah, je viens juste d'y penser là. Là, je peux monter là-haut aussi. Il y a des ressources, mais c'est tout. Je dois orienter la baume. Oui, merci. Là-bas, il y a un truc jaune. Ok, on va redescendre. Oula. Bon, bah voilà, je suis mort. Très bien. Alors, je dois orienter la baume. Ok, très bien. Donc là, je vais ici. Je peux pas aller là. Ah non, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Non? Attendez. Je suis perdu. Si, si, là, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Hein. Bah, c'est pas là que je suis allé tout à l'heure. Hein. Merde. Ah non, c'est en face, là. Ok, c'est au-dessus, pardon. Donc là, ça avait sauvegardé ici parce que j'avais libéré ce truc-là, là, le truc en cuivre là. Et maintenant, donc oui, là-haut, ça sert à monter pour aller là-bas. Ok. Donc là, je peux aller là. Voilà. Ok, à gauche, il n'y a rien. Là-bas, je peux aller faire ça. On dirait qu'il y a des trucs au-dessus là. Voilà. Ok, et là je peux juste descendre en rappel. La descente en rappel me sert à monter là-bas. C'est pareil. Si je monte là-bas, qu'est-ce que je fais depuis là-haut? Non, non. On remonte, on fait A. Je dois orienter la baume. Oui, mais merci. Mais tu veux pas m'aider un peu plus que ça? Parce que là, ce truc-là, ok, là il y a le canon, ça on a vu le canon, mais je peux rien en faire du canon. Là-bas il y a un truc, là-bas il y a un truc. Ah, là il y a quelque chose aussi. Et comment on y monte là-haut? Il faut monter sur cette caisse. Et comment on monte sur cette caisse? J'en sais rien. J'en sais rien. Et là, pourquoi je peux aller là-bas? À quoi ça sert de venir ici en fait?
J'ai pas compris. Là, je peux pas monter là-dessus. Non, ça m'étonnerait. Bon, ça a l'air d'aller nulle part. J'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse. Je dois orienter la baume. Ouais, mais merci, je sais, mais... Comment on fait? Tu veux pas me le dire? Ok, donc là, si je vais sur cette caisse... Je peux pas monter, là, non, y a rien. Ok, donc là, je suis revenu là. Là, maintenant que j'oriente ce truc. Je dois orienter la baume. Oui, merci, voilà, je l'ai orienté. C'est bon, là? Ça te va comme ça? J'ai orienté ce truc. Ok, mais là, ça tombe. Ça, je peux pas faire... Non. Non. Ça, on a essayé, ça fait rien non plus. La caisse, là, je peux pas non plus. J'ai pas compris. Là, c'est d'où on vient. Au début, on est arrivé d'en bas. J'espère qu'on va pas passer trop de temps sur cette foutue... Eh, je peux pas tirer dans l'autre sens, plutôt? Ah, ah. Et là, ça tient. Et là, ça tient. Ah. Ok, et là, je peux monter là. Ok, pour faire ça. Et aller là-bas. Eh ben non, il y a la caisse qui est pas du bon côté. Putain. Ok. Plouf, dans la flotte. On va faire se retaper tout le chemin dans l'autre sens, j'ai l'impression. Alors, là, je peux monter là-haut normalement. Ça, je m'en souviens. Je peux orienter ce truc. Et ça, normalement, c'est pareil. Et là, ça ne bouge pas. Et là, il y a la caisse. Ok. Très bien. Et là, je peux monter là. Non. Là, j'ai pas le choix. Ça me servait à quoi d'avoir ce truc là en fait? À quoi ça va me servir? Je vais pouvoir monter là-bas. J'ai aucune idée de quoi ça va me servir tout ça. Là, je vais pouvoir monter dans ce. Bon, on va voir. On va refaire le tour. Donc là, à moins que je puisse le mettre dans l'autre sens, ça aussi. Si je le fous dans l'autre sens, est-ce que la caisse de l'autre côté ça a un intérêt? Non, pas trop. Clac, clac. Ah oui, et là le... Oui, ok, j'ai compris. Le canon, on va le faire tomber là-dessus pour éclater ce truc et passer dessous. Ah, ouais. Ouf, ok, c'est bon. J'ai compris. Comment on retourne là-bas maintenant? Je sais plus. Je m'en souviens pas. Là c'est pareil, il y a ça, mais je sais plus comment... Comment on active ce truc. Alors, c'est de l'autre côté, faut peut-être aller dans la flotte. Ouais, voilà, faut aller là sûrement. Comment ça, je viens d'aller dans l'eau, là, t'es déjà plus d'air? Tu te fiches de moi? Ok, ça doit être par là. Ça doit être pas mal, là, je pense. Ok. Là. Ok, on grimpe. À gauche, plutôt. Tiens. Zou. Ok, là. Ok, très bien. Ça, je m'en rappelle. Donc, maintenant, il faut refaire tout le tour. Ah non, maintenant, on peut monter là. Et oui, raccourci. Ouf. Maintenant, on monte sur la caisse. Là, on monte ici. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Quoi? Je peux sauter là? Oui, je peux sauter là. Ok. Là, on est arrivé là-haut. Ça, on va l'accrocher là-bas. Comme ça, on va pouvoir faire une tyrolienne. Là, on va décrocher ce truc. Ah.
Essayons de trouver ce que cachait le capitaine. Et voilà. Eh ben dis donc. C'est bon. C'était pas évident, mais... J'ai fini par trouver. Je crois que la dernière fois, j'avais déjà passé pas mal de temps dessus. Alors... Oh. Une stèle. De l'or. Ah, ça me donnait une compétence, je crois. Souffle du caïman 2. Votre apnée dure encore plus longtemps quand vous nagez sous l'eau. J'abandonne le navire. Très bien. Faut de l'or encore. Ok. C'est tout. Ah oui, c'était un tombeau caché que ça, du coup. Très bien. Bah maintenant, faut retrouver la sortie. Chose que je ne sais plus où c'est. Je me rappelle absolument pas par où je suis arrivé. Si, c'était sous l'eau, je crois. Ça devait être genre par là. Non. Nope. Je ne sais plus. Je ne m'en souviens pas. Comment on fait pour sortir là-bas? Non. Bon, j'ai fini l'énigme, mais maintenant, je sais pas pour me barrer. Ah, peut-être par là. Bah voilà. Ouf, je me suis pris des planches. Alors, la sortie de ce truc. Là, c'est par où j'étais monté dans le bateau, je crois. Il y a des poissons, j'espère qu'il n'y a pas de piranha. Il y a un coffre. Là. Il y a des coffres. Une rapière. Même si elle est rouillée, on voit bien qu'il s'agit d'une arme de belle facture. Elle vient probablement de Tolède. La ville était connue pour son travail du métal. Ouais, elle est sacrément rouillée, ouais. Alors, il y a un truc caché, mais je sais pas où c'est. Donc, il va falloir le trouver. Examiner. C'est un peu pénible, ça. Ah. Ses entailles sur la lame laissent penser qu'elle aurait servi dans plusieurs batailles. Ok. Très bien. Un point de compétence. Ah, il y avait d'autres trucs. Non, c'était des plantes. J'ai aucune idée d'où faut aller. Je vais quand même pas remonter sur le bateau. Si. C'était juste un truc annexe. Genre rien à voir avec la solution. Enfin la sortie. Zut, c'était de l'autre côté alors la sortie. Mais punaise, à moins qu'il y a... Ah là il y a un truc là. Je peux casser ça. Voilà. Ah, ouf. Ah. Ouf. Ok. Donc là, je suppose que ça doit être la sortie par là. C'est par là qu'on a dû arriver, je pense. Oui, je me souviens qu'on avait vu là le cul de ce bateau là, qui est magnifique, dans la grotte. On sait pas comment il est arrivé là, mais il est là. Ok, donc maintenant on peut se casser d'ici tranquillement. Là, je me souviens de cette zone. Ouais, on était passé par là. Ok. Bon. Donc. Ok, le feu de camp. Le feu de camp. Hop.
Compétence. Combien j'ai de points de compétence? 3 points de compétence. Tiens, ça je l'ai eu. Guerrier. Il n'y a pas tant de combats que ça. Efficacité des plantes de perception, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Négocier direction, on s'en fout. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Sachant que là, je sais que j'ai vu que j'étais qu'à 30% du jeu. Allez, on va prendre ça, c'est pas mal. Ça, on s'en fout. On s'en fout tellement en fait de tous ces trucs. Réduit le temps de l'arc chargé, les trucs bien, c'est ça. Mais j'y ai déjà, du coup. Augmente la quantité de ressources fabriquées que vous récupérez sur toutes les sources. Je suis déjà plein de partout de toute façon. Fouille automatiquement les ennemis tués par les munitions fortives. On va prendre ça. Après, on verra pour prendre des trucs par là. Ok. Alors. Hop. Du coup, on est arrivé là. Hop, on repart là-bas. C'est par où? C'est par là. Ouais. Allez. On sort de cette grotte. Et on va récupérer l'objet qu'on était venu chercher, je crois. Dans la quête. Enfin, dans l'histoire, on allait récupérer la fameuse boîte de je sais pas quoi là. La boîte en argent. On était parti pour la récupérer. Et on avait croisé ce truc là, là, cette grotte. Ok, allez. Yes. On monte. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu nous as fait là, Lara? Ok, c'était un peu chelou, mais c'est... je l'ai fait. Ok. Hop là. C'est chaud ces trucs. Ok. C'est un peu compliqué ce machin. Là, faut redescendre, je suppose. Ouf. Allez, on nage vite. Ah oui, je me souviens de ça. Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens qu'on était arrivé, je sais pas où, par là, là. Et il faut que j'aille en face de moi. Par là-bas, ouais, c'est ça. On était allé dans cette grotte. On s'en souvient de cette grotte immergée. Voilà. Il y a des murennes qui traînaient, à faire gaffe. Je suis pas du bon côté, j'aurais dû aller à droite. Surtout que j'ai vu qu'il y avait de l'air à droite. Hop, allez. On est arrivé. Donc, là il y a un truc, c'est quoi ça? De la poudre à canon, je crois. Ah oui, il y avait les espèces de... créature chelou là aussi. Hop. Ah, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille par là-bas. Par ici aussi. Ok. Bon, on avance, on verra bien où ça nous mène tout ça. Il y a de l'or, on dirait, partout. Hop là. C'est pas rassurant cette grotte. Ah oui, il y avait une espèce de créature. Matériaux manquants. Fusil à pompe. Très bien. Mais c'est pas là que je suis allé justement. Eh ben si.
Mais je suis revenu en arrière en fait. Ah, je peux aller là, tiens. Non, 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 non. C'est le décès. Zut. Zut, zut. Je peux faire là comme ça? Absolument pas. Absolument pas. Ok, donc il faut bien aller en face. Sur la petite corniche là. Hop, sauf qu'il faut pas tomber. Ah oui, on peut monter là. Ok, mais je suis déjà passé par là, non? Ça me dit quelque chose ça. Non, bah non. Ok. Ça fait pas de... Ah! C'est seulement un bruit. C'est seulement un bruit, ouais. Tu as raison. Oula. Seulement un bruit. Oula là. Oh, c'est chaud là, elle se rattrape de justesse. Hein. Ok, donc là on monte. Mais. Je peux pas monter plus haut? Ok. Coucou. Ça me rassure pas du tout tout ça. Oh là là, on n'y voit plus rien. J'aime pas trop beaucoup ça. Oh. Ok. Ah, alors eux, c'est pas des conquistadors espagnols, hein. Eux, c'est les soldats de... C'est les soldats trinitaires qui se sont fait défoncer, hein. Alors qu'ils sont surarmés, tu sais. Ah ouais, pendu là, ok, très bien. Fantastique, il y en a de partout des cadavres. Ah ouais, mais il y en a combien? Wow, mais il y en a un paquet. Ça, je peux y couper si je veux. Ça sert à quoi? Ah, le pompe. Oh, le pompe. Et voilà. Ah, ça pue. Hein. Ça a l'air. Hein. Le pompe, yes. Donc on va enfin pouvoir ouvrir les passages où il faut le pompe. Très bien. Et on peut pas récupérer ses balles aussi. Ok, nouvelle arme, nouvel équipement acquis, le fusil à pompe classique utilisé par les trinitaires. Équipement fiable, je sais pas quoi. Ça doit être les soldats des trinitaires qui ont disparu. Ah bah oui, on dirait bien. À cause de moi, il tient Nounour à tout. On va regarder tout de suite ça qu'on peut qu'est-ce faire que parce que. Va lui faire. Ah bah j'ai directement accès à plein de fusils à pompe. Elle restera en vie. Très bien. Donc il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Celui-là on peut pas l'améliorer. Et celui-là on peut. J'espère. Je vais prendre celui-là. Clac. Mais c'est quoi ça? C'est un vieux fusil de chasse de merde, on est d'accord? C'était peut-être pas une bonne idée de d'améliorer celui-ci. Sachant que lui il est 10 fois mieux. Lui il fait plus de TK. Si je l'améliore, lui ça donne quoi? Il y a beaucoup. Ah oui, il y a masse d'amélioration, lui. On va voir. De toute façon, je dois avoir largement ce qu'il faut en ressources pour tout faire. À mon avis. Ah non. Il me manque des trucs. Ok, mais déjà là. Je l'ai amélioré un peu. Bon, lui est toujours mieux, donc on va prendre lui pour le moment. En plus, il a un silencieux. Donc on va prendre lui pour le moment.
Compétences, j'en ai pas. Non, j'en ai toujours qu'un. Ok, donc là maintenant on peut passer par ces trucs-là. Avec le pompe. Boum! Ah, donc c'est un fusil à pompe silencieux, ça. Ok. Très bien. Ok, donc là on peut passer par là. Et je vois que ça fait une demi-heure que je tourne, donc je vais vous abandonner ici. Et on continuera cette aventure dans le prochain épisode. Et ça s'annonce très sympathique. Allez, donc moi sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous, ciao!